Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 17 mai. ITER, un projet expérimental qui devient cher. Son coût a doublé et une délégation de députés européens était aujourd'hui sur le site pour réétudier le dossier. Les PV sans policiers, c'est la nouveauté depuis hier à Aix-en-Provence. Dorénavant, les caméras verbalisent les voitures mal garées dans la ville. Et puis nous irons en fin de journal au stade Jean Bouin où des enfants valides et handicapés ont participé à une journée de sport solidaire. Combien ITER va-t-il coûter? La question devient de plus en plus sensible. Depuis le début, le coût du réacteur expérimental construit à Cadarache a été multiplié par deux. Et les partenaires du projet hésitent maintenant à remettre la main à la poche. L'année dernière, le Parlement européen a même refusé de voter une rallonge budgétaire. Ce matin, une nouvelle délégation européenne s'est rendue sur place pour réétudier le dossier. Marguerite Koch. Ils sont venus de Manosque, d'Aix-en-Provence ou des environs de Cadarache pour dire stop au projet ITER. Pour ces militants, l'Union européenne ne doit pas investir un euro de plus dans ce projet. Bon tsunami ! Si ces milliards étaient accordés dans les énergies renouvelables et dans d'autres types d'énergie, ce serait un petit peu plus intéressant. Pour moi, le nucléaire n'a aucun avenir. Entre 12 et 16 milliards d'euros, selon les estimations, voilà ce que coûte à l'heure actuelle le programme ITER. L'Europe en finance près de la moitié. Les eurodéputés sont venus à Cadarache pour étudier à nouveau l'opportunité d'apporter au projet une rallonge de plus d'un milliard d'euros. Regardez la crise financière, la crise économique, les plans d'austérité. Est-ce qu'il faut mettre ces 15 milliards d'euros là-dedans alors qu'on est en train de puiser, voyez, pour le surcoût dans le budget agricole, dans le budget de fonctionnement et dans le budget de la recherche sur d'autres projets qui sont beaucoup plus intéressants que le projet ITER. ITER explique l'explosion des coûts par la hausse des matières premières et par les nombreuses modifications apportées au projet depuis son lancement en 2001. Sur les 14 eurodéputés que compte la commission du budget, 10 sont favorables à ITER, mais ils demandent des garanties. Pour une fois qu'on a un projet novateur en Europe, on se doit de le défendre et de le porter, même s'il y a un certain nombre de dérives budgétaires, il faut les contrôler. On a eu une amélioration de la gouvernance, on a des économies qui vont être faites. Nous, à la commission du budget, on veillera à ce que le budget soit tenu dans de bonnes conditions et que ce projet puisse aller jusqu'à son terme. Lors de la visite, ITER a tenu à rassurer sur la sécurité. Ici, pas de fission, comme à Fukushima, mais on veut reproduire la fusion, la réaction chimique propre aux étoiles. Malgré son gigantisme, le projet est expérimental. ITER ne produira pas d'électricité avant 2040. Au plus tôt. Du nouveau dans l'enquête sur le double assassinat de Saint-Mauron. Un premier suspect a été mis en examen hier. Il s'agit d'un homme âgé de 22 ans, soupçonné par les enquêteurs d'avoir été impliqué dans la fusillade. Il aurait emprunté le véhicule utilisé pour le crime. Je vous le rappelle, le 11 mai, deux hommes originaires de la région lyonnaise avaient été abattus en pleine journée dans ce quartier. En bref, toujours, certains pensionnaires peuvent être victimes d'escroqueries à la maison de retraite Les Acacias ou Chartreux. C'est dans le 3e arrondissement. Les enquêteurs de la brigade financière de la Sûreté départementale soupçonnent la directrice adjointe de l'établissement d'avoir détourné de l'argent. 30 000 euros auraient ainsi été amassés au préjudice des retraités. La dirigeante a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Prendre un PV alors qu'il n'y a pas un seul uniforme à l'horizon, c'est ce qui risque d'arriver à quelques automobilistes aixois. La ville vient de mettre en place son tout nouveau système de verbalisation, des caméras qui repèrent les véhicules mal garés. À Aix-en-Provence, les avis sont partagés sur cette nouvelle mesure. Antoine Bordarès. Le conducteur de ce véhicule ne le sait peut-être pas, mais malgré l'absence de policiers, il peut être verbalisé. Et ce, avec l'aide de caméras de surveillance. Depuis hier à Aix-en-Provence, elles peuvent être utilisées pour sanctionner les stationnements en double file. L'objectif, fluidifier le trafic sans augmenter le nombre d'agents de police. Ça crée quand même une petite insécurité, je dirais, du contrevenant. Il sait qu'il risque d'avoir un PV, même s'il ne voit pas d'uniforme. J'espère que ça aura un résultat qui feront que nos conducteurs qui pratiquent l'incivilité journalière seront un peu plus vigilants. Du côté des conducteurs, justement, la plupart d'entre eux n'étaient pas au courant de cette nouvelle mesure et s'indignent de ce dispositif. Le panneau, il n'est pas trop visible parce qu'il est en hauteur. C'est dégueulasse. Il y a la fourrière qui passe toute la journée sur Aix pour nous enlever nos voitures dès que ça dépasse un peu de la place où on est garé. Alors si en plus on nous met des contraventions à cause des caméras...
C'est un peu trop, c'est vrai que pour deux minutes, ça peut ne pas trop déranger. Alors désormais, regardez bien dans l'air avant de vous arrêter avec les warnings, car se faire attraper par une caméra ou un policier, la conséquence est la même, une amende de 35 euros. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué, depuis hier, il est impossible de faire ces démarches administratives dans les caisses d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. La CAF 13 a en effet décidé de fermer ses points d'accueil pour les 15 prochains jours. La raison, 39 000 dossiers sont en attente de traitement. Des dossiers qui seront donc traités de manière prioritaire avant d'en accepter de nouveau. La CAF des Bouches-du-Rhône est celle qui compte le plus d'allocataires en France. Zoom à présent sur ce nouvel outil destiné à l'entraînement des marins-pompiers. Une maquette qui reproduit un immeuble de deux étages. Une maison où l'on peut recréer les conditions d'un incendie. Ce tout nouveau simulateur a été conçu grâce à un partenariat entre la Marine nationale et les universités marseillaises. Et les élèves marins-pompiers ont déjà pu le tester. Camille Bossard. Le feu est parti d'un canapé et s'est rapidement propagé dans l'appartement. La personne s'est enfuie en laissant les portes ouvertes. On va voir, grâce à la maquette, les méfaits des personnes qui laissent les portes ouvertes de l'appartement en feu. Et là, on va voir la propagation de la fumée, petit à petit, dans l'ensemble de l'immeuble. Appelés en urgence, les pompiers vont devoir extraire la fumée le plus vite possible. C'est un des 11 scénarios du simulateur de fumée, une maquette destinée aux élèves et aux professionnels. Pour comprendre comment se développe un incendie et comment se comportent les fumées qui se développent à l'intérieur d'un milieu clos, elle va servir à des élèves qui ont déjà un peu plus d'expérience, qui sont en phase finale de leur formation, c'est-à-dire nos chefs de groupe, qui sont déjà des pompiers expérimentés, pour eux les aider à comprendre les choix tactiques qu'ils seraient amenés à faire lorsqu'ils luttent contre un incendie. L'injection de cette fumée et la manipulation des portes et fenêtres est programmée par ordinateur. Quant aux fumées, elles ont les mêmes caractéristiques que celles des incendies. Il n'y a pas de température, donc il n'y a pas d'effet de rayonnement, d'échauffement des parois. On est vraiment sur des configurations sans température, mais on a les différences de masse volumique, ce qui permet en fait à la fumée de se stratifier, de se coller au plafond. Et de se développer sous forme de nappe, ces phénomènes, on est capable de les reproduire de façon très correcte. Extrêmement réaliste, cet outil devrait permettre aux pompiers de privilégier dès le départ les meilleures techniques de lutte contre les feux d'habitation. En étant plus efficaces, ils pourront sauver plus de vies. Allez, on ouvre une page sport avec cette question. Faut-il encore espérer le titre pour l'OM ? Oui, si l'on croit au miracle. Il reste deux journées de championnat et Marseille compte 6 points de retard sur le leader lillois. Autrement dit, il faudrait un incroyable concours de circonstances pour que les Olympiens restent champions. Mais certains joueurs essayent de se convaincre que tout est encore possible. Écoutez Stéphane Mbia au micro d'Olivier Meudan. Non, mais moi je crois au titre. Hein. Le titre n'est pas perdu. Hein. Le titre... Ah, pas du tout. À part si Lille gagne contre Sochaux, là, je peux dire que ça sera difficile. Il reste deux matchs, il faut absolument vite, très bien les finir. Et puis, pourquoi pas ramener ce titre de champion au club. Ça serait, mes coéquipiers, on va tout faire pour ramener ce titre-là. Et puis après, on ira tous en vacances. Pour eux, pas question de titre ou de gloire. Les participants de Solisport étaient aujourd'hui réunis au stade Jean Bouin pour partager avant tout un bon moment. À 3 classes de collégiens et 3 classes d'écoliers, chacune en partenariat avec des instituts médico-éducatifs. Un événement préparé tout au long de l'année entre les élèves valides et ceux qui souffrent de déficience mentale. Antoine Bordarias. D'un côté, ils se battaient comme des lions pour marquer des essais. De l'autre, ils couraient à toute vitesse pour remporter le cross. Toute une journée de sport que Kevin a adoré. Là, tout le monde a un peu joué. Comme ça, on ne travaille pas à l'école. 6 classes au total participaient à cette journée de solidarité sportive. Chacune en partenariat avec un institut médico-éducatif. Toute la journée, les élèves marseillais ont donc fait équipe avec des enfants handicapés. Un projet d'intégration sociale par le sport à l'initiative de l'association Point Sud. L'idée, c'est d'ouvrir les esprits, de faire en sorte que les jeunes se rencontrent et surtout que les éducateurs, les enseignants puissent aussi contribuer à l'ouverture de leurs élèves et bien un petit peu à la différence. Et le pari est une franche réussite. Tout d'abord, les enfants se sont fait de nouveaux amis et à la fin de la journée, c'est une véritable démonstration de respect et de tolérance. C'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils sont pas comme nous.
Il faut être solidaire. Et pas se plaindre. On apprend des choses, ils apprennent sur nous. On parle, on communique. Il y a Mohamed ici. Il a marqué 2 essais. Il y a Alice, c'est un monstre. Et Mohamed marquera peut-être encore plus d'essais la prochaine fois. La journée Solisport a lieu une fois par an. Et tous les enfants l'assurent, ils reviendront l'année prochaine. Cannes, ses stars, ses strass et ses paillettes, c'est ce que l'on voit un peu partout dans nos médias en ce moment. Mais Cannes, c'est aussi l'occasion pour un autre genre de cinéma de se faire connaître. La quinzaine des réalisateurs a lieu en ce moment même au festival. Et parmi les films sélectionnés dans cette compétition, El Velador, une coproduction marseillaise. Reportage Claire Pain. Yes, she can. Cette réalisatrice américano-mexicaine peut être fière. Son dernier film est le seul documentaire en compétition à la quinzaine des réalisateurs. Pour elle, pas de stress, mais de l'excitation. Nous sommes très contents que le film ait été sélectionné, surtout que c'est rare pour un documentaire. Nous sommes très excités et curieux de voir comment ça va se passer, comment va réagir le public. El Velador, le veilleur de nuit en français, est un film sur la violence sans violence. En 1h12, ce documentaire quasi muet raconte comment la vie et la mort se côtoient dans le narco-cimetière de Culiacán, au nord du Mexique. À 36 ans, Natalia est réalisatrice, monteuse et productrice. Mais pour ce film, elle s'est associée à une société de production marseillaise. Avec Cannes, elle offre une belle vitrine à leur travail. Déjà, moi, je souhaite que le film puisse trouver de plus de public possible, ça veut dire que ça passe par un distributeur en salle, ça apporte une certaine crédibilité à la société aussi, pour nous c'est très, très important. Pour Tita Productions, la quinzaine des réalisateurs représente le nouveau cinéma en marge de films plus conventionnels, un cinéma moderne à l'image de Natalia. Faire des documentaires, c'est toujours travailler à contre-courant. Tu es toujours en train de chercher comment faire du cinéma autrement. Toutes mes amies, quand je leur ai annoncé que j'allais à Cannes, ont commencé à me prêter des fringues. Car d'habitude, je m'habille avec un jean et des baskets. Je ne me mets pas sur mon 31. Pour son précédent film, Natalia a déjà reçu un prix au festival de Sundance. On saura si son veilleur de nuit obtient le prix de la caméra d'or le 22 mai prochain. Voilà, et pour ceux que ça intéresse, sachez que le cinéma L'Alhambra va diffuser tous les films de la quinzaine, dont El Velador, la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Et puis je vous le rappelle, c'est vous qui faites l'info. Vous pouvez contacter la rédaction de LCM au 04 88 66 51 00 ou sur l'adresse mail redaction@lcm.fr. Sachez aussi que l'application LCM est toujours disponible sur iTunes ainsi que sur Android. Et quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même journal. À très bientôt sur LCM.